c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Donc, pour vous situer un petit peu tout ça, je fais l'intro actuelle que vous voyez après avoir filmé le vlog et après l'avoir monté tout simplement parce que j'avais pas fait de face caméra pour vous expliquer un petit peu les images qui vont suivre et ce que vous allez regarder. Donc tout simplement, c'était ma première vraie journée de vacances durant laquelle j'ai voulu me détendre et passer un moment privilégié avec mon amoureux. Tout simplement, on est allé se trouver à un endroit, un coin reculé dans la nature, dans la campagne vauclusienne, je pense qu'on peut dire ça comme ça. On s'est accordé un moment, moi, pour me baigner et admirer et profiter de la nature. Et ensuite, on allait faire les touristes dans la ville de Sceaux, donc, qui est réputée pour son nougat. J'aime pas le nougat, mais voilà. Et qui est réputée également pour la lavande. Donc du coup, vous allez voir un petit peu des paysages et notre petite virée touristique de la journée. Donc je vous laisse avec les images et j'espère que ça vous plaira. Thank you.
cette vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez un long vlog avec toutes mes vacances qui ne durent qu'une semaine, mais avec toutes les activités que j'aurais fait pendant mes vacances, ou si vous préférez avoir plusieurs vlogs. Et du coup, c'est la possibilité plusieurs vlogs qui l'a remporté. Donc voilà pourquoi ce vlog n'est pas très long et pourquoi il contient peu de choses. Mais j'espère que vous aurez d'autres vlogs à venir là dans les jours qui viennent de mes vacances. Je suis pas sûre de pouvoir filmer les activités que je vais faire, mais si jamais c'est le cas, vous les verrez, et sinon je vous en parlerai un petit peu, je pense. En tout cas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est @justineduer. Je vous mettrai une capture d'écran juste ici pour que vous puissiez aller me retrouver, et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous.